85, là, dont tu parlais hier. Ah, 2005. C'est un mythe, ça. C'est si je te peux. Plus, c'est certain qu'il reste la quelques. Eh non, j'ai plus la dernière. Ouais, bah ailleurs, chez vous. Non, non. Mathieu, tu t'occupes du domaine depuis 3-4 ans. Ça fait 4 ans, ouais. Ça fait 4 ans. 4 ans, ben, vraiment à temps plein, en tant que gérant. Je travaille pour remplacer petit à petit Marcel, enfin maintenant de plus en plus. Mais je travaille au domaine depuis que je suis tout petit. Ton père te guide beaucoup. Ah oui, ça j'ai de la chance. C'est quelqu'un très intéressant, d'ouvert et qui a toujours aimé donner ce qu'il savait, que ce soit à Christophe, à Louis qui sont ici. Et il sait, il est pédagogue au fond. Et il a envie de. Il est généreux avec son temps, il a envie d'expliquer, de donner, donc travailler avec lui, c'est un plaisir parce que les choses avancent, ça recule jamais. Pour faire des vins nature, il faut des raisins qui soient en bio ou cultivés de la même façon. C'est-à-dire que tous les micro-organismes nécessaires à la fermentation, à la vie du vin, doivent être présents sur la grappe. Sinon, on est obligé de les rajouter évidemment et on part dans un processus où la main de l'homme qui est un peu grossière va essayer de corriger, retoucher. Et ça sent, c'est des choses qu'on veut éviter. Et en plus de la manière dont on travaille, nous on essaie d'exacerber chaque millésime en n'intervenant pas. Donc la nature nous donne quelque chose avec lequel on fait, mais de cette manière, les millésimes sont très marqués. Mais ça doit être des vins de soif légers. Vins de soif, c'est pas péjoratif chez nous. Des vins qui font plaisir, on a envie de les boire sous la douche le matin. Qu'est-ce qui donne mal à la tête dans le sucre? Alors. Dans le vin, qu'est-ce qui donne mal à la tête? C'est sauf donne mal à la tête, on dit souvent ça. Moi je pense que la réalité, ça se voit tout de suite. Okay. Il y a des gens qui se permettent de mettre le maximum. Le mal de tête vient en 30 secondes, c'est caricatural. Mais c'est quoi exactement, chimiquement, qu'est-ce que... Il y a plusieurs théories. Une que je trouve intéressante, c'est le soufre, il est utilisé dans le vin comme antioxydant antibactérien. C'est l'effet qui est recherché. Cet effet se poursuit dans l'organisme. Et on a tous une flore microbienne intestinale qui va subir des dommages tout de suite par rapport au soufre. Et ça l'épuise, mais l'alcool n'a jamais fait mal à la tête. Non, Jean-Philippe, on était allé chez vous. Et la veille, vous aviez fait la fête. Il y avait des bouteilles vides, donc alignées sur le bord. Vous avez un four, en fait, un petit espace, une garçonnière. Il y avait, donc, il y était 7. Donc, foyer et compagnie, il y avait 28 cadavres. Ça fait quand même 4 bouteilles par personne. Bon, on a beau me dire que ça donne pas mal à la tête, là, mais on a visité 3 ce jour-là. Et les 3 étaient quand même un peu comme ça, un peu de travers. Ça a quand même bien rapport avec l'alcool, un peu. Ouais, non, mais c'est sûr, si tu bois pas de la nuit, tu bois quelques bouteilles. Mais après, faut pas mélanger les choses. Mais je pense, et j'en suis persuadé, et d'ailleurs, c'est ce que me disent la plupart de nos clients, il y a une qualité d'ivresse différente sur des vins nature. Et la qualité d'ivresse, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est un peu tabou quelque part, l'ivresse.